Guido Daniele est un artiste italien qui a donné une autre dimension à la peinture corporelle. Son support est assez particulier puisqu'il s'agit de la main, une main qui devient ici tête d'aigle, et tout ceci dans un objectif bien particulier que le peintre explique ici. Animal sur la main, cela veut dire aider les animaux, aider la protection des animaux. Nous devons être positifs. Les artistes ont la chance de pouvoir faire passer un message avec leur art. Et le message pour moi, c'est de protéger la nature, de protéger la vie, de ne pas la détruire. J'ai donc fait mes recherches, je délivre mon message, je ne peux rien faire de plus. Guido Daniele s'est lancé dans le body painting au début des années 90, notamment pour des publicités et des défilés de mode. Et depuis 15 ans, il se consacre à cette initiative qu'il a appelée Handy Malls. J'utilise du maquillage, des couleurs pour le théâtre japonais qui sont des poudres naturelles avec de l'eau sans colle. Et ces couleurs ne restent que quelques heures. Je dois donc faire le travail en une seule journée. Même les peintures les plus complexes doivent être réalisées en 6, 8 ou 10 heures, pas plus. Parce qu'après ça, je dois faire des photos et le jour est fini. Handy Malls, c'est aussi une exposition qui présente 24 photos grand format. On peut la voir à New York, au Top of the Rock, au sommet du Rockefeller Center.